Good morning, allez, il est sur aujourd'hui le Shema Traester, Bat Miriam, ainsi que les refois de l'Israël, Shimon Ben Traester, Ramchat Miriam Bat Rosana, Bin Ben Ben Chibia, Vitor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacré Unité Éternelle. Nous étions au Sacré Tourvin, Perikut, Mishnah Vav. Lo Yaamod Adam Birshut Hayachid, Veishte Birshut Arabim, Birshut Arabim, Veishte Birshut Hayachid, et la Imken Hirnis, Rosho, Vibu Bolim, comme je vous chote. Vechen Bagat, Kolet Adam Minamazrela, le Matam Minasarat Vachim, deux sujets dans notre Mishnah, on commence par traduire le premier, il est très simple. Un homme ne pourra pas se tenir dans le Rishut Hayachid, dans le domaine privé, et boire quelque chose qui se trouve dans le domaine public. Soit, le même principe, déjà depuis plusieurs Mishnayot, on tire le même sujet sous plusieurs formes, où on se trouve dans le Rishut Hayachid, et on veut agir dans le Rishut Arabim, ou inversement, on avait parlé de cracher et uriner, on avait parlé de déplacer un objet qui se trouve de l'autre côté, puis maintenant on va parler de boire. Moi je suis dans ma maison, et il y a dehors une bouteille qui est restée, peu importe, ou inversement, quelqu'un qui marche dans la rue, et moi j'ai ma fenêtre, j'habite au rez-de-chaussée, quelqu'un qui veut boire. Donc je lui, il a un verre posé à l'intérieur, et il a envie de rentrer sa tête et de le boire. Prendre le verre, bien évidemment que c'est interdit, vous imaginez bien. Parce qu'il va transgresser un interdit de porter du Rishut Hayachid au Rishut Arabim. Donc on va lui demander, rentre ta tête pour boire. Mais maintenant, combien faut-il rentrer de sa tête? Alors là, la Mishnah m'enseigne, un homme, lo ya'amod adam birshut hayachid, un homme ne pourra se tenir dans le Rishut Hayachid, veishte birshut arabim, et boire. Un homme ne pourra pas, plutôt. Un homme ne pourra pas être dans le Rishut Hayachid et boire quelque chose qui se trouve dans le Rishut Arabim. Ou inversement, birshut arabim, veishte birshut hayachid. Se tenir dans le Rishut Arabim, dans la voie publique, et boire ce qui est dans le Rishut Hayachid. Ela imken hichnis rosho verubo limkom shushote. Sauf s'il fait entrer sa tête et sa majorité de son corps, jusqu'au nombril à peu près, d'accord, c'est la majorité du corps, de la faire entrer dans le Rishut Arabim pour boire. Pourquoi? En théorie, Bémet, ça suffisait d'entrer même les lèvres. Non, peut-être pas les lèvres, je ne sais pas. La bouche. La bouche, et dès que ça commence à entrer dans la gorge, ça y est, c'est fini, c'est déjà passé. Donc il suffisait en théorie d'avoir juste la tête qui rentre dans le Rishut Hayachid et de boire là-bas. Mais il y a un problème technique. On craint que naturellement, tu vas commencer à boire et puis tu vas revenir en arrière. Du coup, alors on va te demander de faire entrer ta tête et la majorité de ton corps, c'est-à-dire la moitié de ta hauteur, tu la fais entrer dans le Rishut Hayachid ou dans l'autre domaine, quoi. Comme ça, on est sûr que quand tu vas tellement le faire. Non, on ne va plus craindre que tu vas le faire entrer. Généralement, tu as quelque chose qui va te rappeler que tu es en situation délicate. D'accord? Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Et le Bertrand précise aussi, on parle d'ustensile qu'il est possible qu'il va vouloir utiliser chez lui. C'est pour résoudre une certaine contradiction qu'on avait en haut. Laissez tomber, tout va très bien. Donc, la crainte, il est qu'il va amener le verre chez lui pour continuer à boire plus tranquillement chez lui. D'accord? On continue. Vechen bagat. Alors là, c'est deux petits mots qui sont très compliqués. Idem pour le pressoir du vin. De quoi on parle exactement? On est complètement dans un tout autre sujet. On n'est plus dans les Hot Shabbat, on est dans un autre domaine. Je fais ça très rapidement. Chaque fois qu'on a une récolte, ça peut être du vin même, ça peut être une récolte de fruits, on doit prélever la trouba. Tant qu'on est encore occupé en train d'engranger, en train de préparer, on n'a pas encore fini de préparer, de cueillir, d'organiser sa tvoua, on a pour le moment le droit de manger provisoirement sans rien prélever. Par exemple, si je suis parti cueillir des pommes, pendant que je cueille les pommes, j'ai le droit de prendre une pomme et de la manger. D'accord? Même si je ne vais pas prélever. En théorie, une fois que j'ai engrangé les pommes, j'ai plus le droit de prendre une seule pomme et de la manger. Sauf si je vais prélever la tourma et le maaser et toutes les taxes qu'il faut prélever, et seulement après je pourrais manger le reste de la pomme. Mais tant que je suis encore en train de préparer, de cueillir et de préparer, alors je ne transgresse, j'ai pas encore de devoir de prélever. Idem lorsque je fabrique du vin, alors, tant que le vin il n'a pas été réuni maintenant prêt à l'embouteillement, les embouteillages c'est sur l'autoroute, puis après à l'embouteillement, alors je crois que c'est dit comme ça, au pire, vous me rectifierez une prochaine fois,
Tant que pour le moment je l'ai pas mis en, je l'ai pas, il est pas descendu dans le GAT, c'est toute une histoire comment ça se passe. Il y a l'endroit où se compresse, puis après on évacue, on récupère tout dans une cuve. Tant qu'il n'est pas encore tombé dans la cuve, eh bien, hein, on a le droit de le goûter, de le boire sans prélever. Dès qu'il est arrivé là-bas, maintenant il est prêt à la consommation, il est prêt à être embouteillé plutôt. Alors on n'a plus le droit d'en boire jusqu'à qu'on va le prélever. Mais ça, c'est tant que je suis dans le GAT, tant que je suis encore dans le pressoir. Si toutefois je prends un verre et je veux sortir dehors voir les petits oiseaux qui chantent, eh bien dès que je suis sorti dehors, je devrais prélever. Du coup, la Mishnah, elle m'enseigne, sache que le même principe pour le GAT, tu as le droit de le pressoir, tu as le droit, on te permettra de boire de manière provisoire et pas de. D'accord, de manière provisoire, tant que tu es dans le pressoir, mais pas de sortir à l'extérieur avec ton verre. Et si tu es à l'extérieur, tu veux boire à l'intérieur, tu fais entrer ta tête et ton corps, majoritairement, la majorité de ton corps, et dans ce cas-là, tu pourras boire à l'intérieur de manière provisoire, ça marche aussi. D'accord? Autre sujet maintenant dans notre Mishnah, qui va être compliqué à retrouver dans les mots. La notion, elle est très simple. Je traduis de manière grossière les mots, j'explique, et puis après on revoit ça dans les mots encore une deuxième fois de manière plus précise. Kolet Adam, Minamazrela, Lemata, Measarat Fachim. Un homme pourra attraper à la volée, les clottes, saisir à la volée, capter, on n'est pas au moderne, on appelle ça aussi capter. Donc, depuis la Mazrela, c'est la gouttière, les Mata, mais à Sarat Fachim, à une distance moins que 10 Fachim. C'est un peu flou comme phrase, on va expliquer après. Et Oumina Tsinor, par contre, s'il veut prendre du Tsinor, du tuyau d'évacuation, eh bien, Mikol Makom Shoteh pourra boire comme il veut de partout. J'explique d'abord à l'oral, il y a deux situations. C'est pas compliqué, la notion elle est très simple. Si je suis dans le Rechout Arabim, il y a un toit au même de 10 Tefar. Il peut s'agir d'un toit qui a une hauteur de 10 Tefar de 1,20 m. Vous voyez, une maison, imaginons, en dénivelé par exemple, même à hauteur de ma hanche, c'est déjà 10 Tefar. Même moins, ça se trouve. Il y a maintenant un toit. Ce qui est posé sur ce toit-là, c'est le Rechout Ayachid. Et moi, je suis dans le Rechout Arabim. J'ai le droit de rien prendre et de l'amener chez moi. D'accord? Imaginez maintenant que il y a de l'eau et j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de me laver les mains, j'ai besoin de boire. D'accord? Je veux maintenant, il y a de l'eau sur le toit, il est en train de pleuvoir. Je veux récolter, ramasser l'eau dans un verre, par exemple, l'eau qui coule. L'eau du toit, maintenant, elle coule, elle s'évacue, elle se réunit d'abord dans une gouttière, et de la gouttière après, soit il y a des gouttières qui permettent de faire sortir tout de suite, ou soit plutôt, il y a des toits qui vont avoir des tuyaux d'évacuation. Le principe, il est simple. La Mishnah me dit, sache que boire de la gouttière, en te rapprochant directement de la gouttière, t'as pas le droit de le faire. Parce que la gouttière, elle est proche du toit. Elle est dans les trois tefards du toit. Puisqu'elle est considérée comme les trois tefards du toit, elle est elle-même considérée comme le toit. Donc, si toi tu vas prendre de l'eau du toit chez toi, dans le domaine public où tu trouves, tu vas trouver ça interdit de porter. Idem sur un masse de la gouttière avec un petit chidouche. Même si la gouttière, elle n'est plus à une hauteur de 10 téfar, je vais expliquer après un peu plus. Pour le moment, je donne l'image générale. D'accord? Donc moi, je n'ai pas le droit de ramasser de l'eau de la gouttière, parce que la gouttière en général, elle est moins de 2-3 téfar, donc elle est encore considérée comme le toit directement. Tandis que le tuyau d'évacuation, comme c'est fréquent par exemple dans les balcons, des tuyaux d'évacuation qui vont faire que l'eau elle va partir loin, eh bien dans les tuyaux d'évacuation, le tuyau maintenant, il s'éloigne, il fait au minimum 3 téfars en général, parce que le but d'un tuyau comme ça, c'est d'envoyer l'eau le plus loin possible. C'est pas juste que ça tombe pas à proximité du mur, c'est que d'envoyer l'eau le plus loin possible. En général, le tuyau, il fera toujours au moins 3 téfars. Donc du coup, le tuyau, il n'est plus considéré comme le toit. De ce fait, si tu veux, tu peux même mettre ta bouche directement sur le tuyau et boire, ou mettre tes mains directement récupérées. Soit, je récapitule très simplement, la gouttière, puisqu'elle est pas tellement elle s'éloigne pas du toit, elle est considérée comme le toit, du coup tu n'as plus le droit de prendre directement de la gouttière. Tu dois laisser l'eau s'écouler et tu la ramasses de dehors. Tu laisses l'eau couler, et une fois qu'elle est en train d'être de couler, alors à la volée, tu as le droit de remplir pendant qu'elle est en train en l'air, l'eau qui coule, elle est déjà en l'air, donc elle est assortie du toit, à plus que 3 téfars. Là, tu peux mettre ton verre récupéré. Mais tu n'as pas le droit de partir la ramasser à proximité du toit. Parce que là, tu es considéré que tu ramasses directement du toit. À la différence donc du petit tuyau, que le petit tuyau d'évacuation, lui, il est plus considéré comme le toit,
il fait une largeur de plus que 3 tefach, donc t'es plus dans le toit, tu as le droit d'emmasser directement depuis l'ouverture. D'accord? J'apporte maintenant une précision un peu plus sur la gouttière. Moi qui suis dans le Rishout HaRabim, on a déjà évoqué plusieurs fois, même dans le Mishnah précédente, on l'a repris, le Rishout HaRabim, il est jusqu'à une hauteur de 10 tefach. Alors imagine maintenant qu'on a un toit qui a une hauteur de 10 tefach, mais que la gouttière elle-même, elle descend sous, à 2 tefach en dessous. Ouais, la gouttière, elle n'est jamais à Ora, elle est plus en dessous. Imaginez que la gouttière, elle est à 2 tefach en dessous. La gouttière, techniquement, elle a une hauteur de 8 tefach à partir du sol où je me trouve. En théorie, elle devrait être apparemment dans le Rishout HaRabim. Donc apparemment, tu devrais, à vraisemblablement, il n'y avait pas lieu de m'interdire de ramasser de l'eau de la gouttière et de le boire, puisque elle-même, elle n'est pas dans le Rishout HaRabim. Alors, déjà, Michel me dire que la gouttière, elle est considérée comme un Rishout HaYachid. Étant donné qu'elle est rattachée au toit qui est lui-même un Rishout HaYachid et qu'elle n'est pas loin de 3 Tefach, elle est elle-même considérée comme le toit, même si concrètement l'eau elle est déjà plus bas que 10 Tefach. Tout ça, c'est un seul toit. Et puis maintenant, si tu ramasses l'eau de là-bas, tu transgresses l'interdit de porter. C'était clair? Du coup, pour ramasser la gouttière, c'est le mot le plus important, je l'ai dit finalement, je crois, que ramasser la gouttière, c'est qu'à la volée. Une fois que l'eau elle est déjà sortie, elle est en train de s'écouler, elle est déjà en l'air, tu as le droit de la ramasser, tu mets ton verre. Mais tu n'as pas le droit de rapprocher ton verre à part à proximité de la gouttière. Ok? On fait ça dans les mots, regardez comment ça rentre. Colette, Adam, Minamazrela. Donc le mot colette, c'est qu'il attrape à la volée, uniquement. Si tu veux prendre de la gouttière, de la mazrela, ça vient du mot zochel. Tout ce qui est zochel, tout ce qui rampe, tout ce qui s'écoule à ras du sol, ça s'appelle être zochel. Donc, par extension, une gouttière. Colette, Adam, Minamazrela. Tu pourras attraper à la volée de l'eau qui coule depuis la mazrela, depuis la gouttière. Les matas masarat fachim. À une distance même de moins de 10 tefach. Par contre, tu n'auras pas le droit de rapprocher ton verre. Tu n'auras pas. D'accord? Tu pourras pas donc être metzaref, c'est le mot. Il y a colette ou metzaref dans la Gemara, le bâtonnerie et la porte en bas. Mais tu pourras pas coller ton verre, même si la mazrela elle est moins que 10 tefach. Vechen ou minatzinor, par contre, à partir du tuyau d'évacuation, que lui, naturellement, il s'éloigne plus que 3 tefach depuis le toit, alors là, mikol makom, shoté, n'importe quel endroit, tu pourras boire. Soit tu vas t'amuser à laisser couler l'eau depuis haut, soit tu peux même aller coller ta bouche si tu veux au tuyau et boire directement de lui. Tu ne transgresses plus l'interdit de porter du Rishout HaYachid au Rishout HaRabim. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol tov, Salam.